sortent une bande de jeunes cons, ouais, qui vivaient dans un monde qui les rejetait. Paumés, égarés, exilés, ils savaient plus où se réfugier. C'est pas évident quand on a plus de repères et qu'on voit pas les choses de la même manière. C'est pas facile, surtout les yeux bandés, de traverser un putain de terrain miné. Toute la journée, ils glandaient, déprimés, se demandaient pourquoi ils existaient. Toute la journée, ils cherchaient leur place dans cette société qui les vomissait. Toute la journée, ils faisaient et disaient des conneries, histoire de s'accrocher. Histoire de s'accrocher. Non, non, ne juge pas, ces mecs. Ça pourrait être toi. Non, non, ne juge pas, ces mecs. Ça pourrait être toi. Non, non, ne juge pas, ces mecs. Ça pourrait être toi. Non, non, ne juge pas, ces mecs. Ils sortent comme toi. Bref, les années ont passé avec la trouille au ventre. Ils ont cravaché afin d'évoluer et surtout essayer de trouver l'être aimé. Ils ont dû mettre un terme à leur vice, car il fallait qu'ils s'occupent de leur fils. Pour eux c'était fini, les trafics finis, les week-ends chez leurs amis les flics. La petite bande s'était perdue de vue, fuyant ainsi leurs démons du passé. Ils n'osaient plus se fréquenter par peur, de rechuter. Même si la vie n'est pas un fleuve tranquille, dans leur galère, tu peux les voir ramer. Tu peux les voir ramer. Non, non, ne juge pas, ces mecs. Ça pourrait être toi. Non, non, ne juge pas, ces mecs. Ça pourrait être toi. Non, non, ne juge pas, ces mecs. Ça pourrait être toi. Non, non, ne juge pas, ces mecs. Ils sortent comme toi. Non, ne juge pas. Jamais. Non, jamais. Ne juge pas. Ne juge pas. Ah ouais, je t'ai pas dit, la dernière fois que je les ai vus, ils avaient presque tous 40 piges. Ils squattaient pour une soirée l'appart d'un poteau et rigolaient comme des minots. Cette petite bande s'est bien assagie et s'est agrandie. Et même si dans leurs yeux tu peux lire une certaine mélancolie, si tu regardes bien, c'est de l'espoir qui en jaillit. Ouais, c'est vrai, on n'oublie jamais nos anciennes cicatrices. Mais afin que ces dernières n'ouvrent pas des pensées destructrices, on les a nettoyées, soignées, et on a mis de la pommade pour que ça guérisse.